Le flux de données, simplement désigné aujourd'hui sous le nom de flux, a été développé il y a 50 ans pour donner à la population de la Terre un accès immédiat au nouveau réseau informatique mondial qui venait d'être mis en place. Des relais de transmission, appelés EDIS, canalisaient directement l'information entre le cerveau des individus et la base de données grâce à un implant. Cependant, le taux de réussite atteint en pratique était inférieur à 100%. Certaines configurations du cortex cérébral semblaient bloquer de façon systématique le flux de données de et vers le cerveau. Le flux nous donne instantanément accès à toutes les informations, tous les faits, toutes les idées jamais répertoriées. Ryan aspire à une chose que nous considérons tous comme allant de soi, le savoir. Il veut la connaissance. Tu devrais avoir un peu plus de respect pour lui. Tu sais, il fut un temps où le fait de lire était une preuve d'intelligence. Ah oui? Oui. Nous quantifions le monde qui nous entoure pour apprendre. Nous le réduisons à des faits, des chiffres, des informations. Mais est-ce que nous saurons nous arrêter avant que cela ne détruise sa part de mystère? Des connexions neuroélectriques peuvent désormais être établies grâce à l'emploi de matrices miniatures transistorisées. C'est très intéressant. Oui. Continue. Où j'en étais? C'est avant d'interface directe avec le réseau synaptique principal, pourvu que les incompatibilités de transfert de charge soient totalement compensées. Il n'y a pas d'humanité. Ni en eux. Ni en toi. Pourquoi? Parce que je pense que tu as tort? Non, parce que c'est ce que tout le monde pense. Il n'y a pas une voix discordante, pas une seule personne pour dire non. Pourtant, c'est humain d'être en désaccord, comme c'est humain de faire des erreurs. Nous ne faisons pas d'erreurs, parce que nos informations sont parfaites. C'est encore plus spécifiquement humain de faire des erreurs à partir d'informations parfaites. Ce n'est qu'un programme, Ryan. Un instrument, un simple outil, mais qui nous rend la vie plus belle. Il contrôle toute votre vie. Si vous lui abandonnez votre libre arbitre, vous n'êtes plus des êtres vivants. Vous n'êtes que des terminaux. Tu ne sais même pas comment c'est. Vous ne faites pas de rêve. On ne peut pas faire de rêve quand on n'a pas de défi. Le flux vous enlève tous vos rêves et ne vous apporte pas la connaissance en retour. Il ne vous donne que des informations. Des informations vides de sens, incompréhensibles,